Tu commences à me faire peur là. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est la veille de notre mariage, et je veux être sérieux et vrai avec toi. Car je t'aime. Est-ce que tu m'as trompé? Non bébé. Je ne pourrai jamais te tromper. Alors c'est quoi? Au fait, j'ai un problème au niveau de mon organe génital, et il faut que je me fasse soigner avant qu'on ne puisse consommer notre mariage. Raoul, attends. Il s'agit de quoi exactement, s'il te plaît? Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je n'arrive pas à avoir des érections, Isabelle. Oh mon Dieu, quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes comme ça, Raoul? Je peux comprendre que tu ne veuilles plus m'épouser. Ça serait légitime, même si j'aurais mal. Mais il fallait que je te dise la vérité. Je ne voulais pas te surprendre dans le mariage, parce que je t'aime, Isabelle. Et depuis combien de temps tu es au courant de ça, Raoul? Depuis pas longtemps. J'ai fait un petit accident qui a paralysé en quelque sorte mon sexe. Une nouvelle pareille, à la veille de notre mariage, fait vraiment froid au dos, Raoul. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Je suis choqué. Si tu veux, on peut reporter le mariage, ou alors l'annuler définitivement. Non, Raoul. J'admire l'homme que tu es. J'admire le courage avec lequel tu as choisi de me dire la vérité avant de m'épouser. Au moins, je suis persuadé que tu es l'homme qu'il me faut. Alors je vais t'épouser. Ça ne change rien. Quoi? Est-ce que tu es sûr, bébé? Je vais t'aider à surmonter ce problème. Et même s'il faut qu'on aille rencontrer le meilleur médecin aux États-Unis pour ce problème, alors on ira ensemble, mon chéri. Tu viens de me prouver là, que tu es un homme de valeur. Je t'aime. Merci beaucoup pour ta compréhension, mon amour. Je t'aime également. La nuit noire s'évanouit rapidement, laissant la lumière de la journée éclairer toute la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'était un jour radieux dans la famille Aka. C'était le jour tant attendu. Un moment sacré dans la famille. Enfin, Monsieur Michel pouvait se vanter d'avoir éduqué tout seul ses filles. Et c'était lui qui allait conduire Isabelle, sa première fille, à l'hôtel. Le sourire et l'immensité de sa joie ne pouvaient se mesurer. Il était 10 heures à l'hôtel 5 étoiles, que Raoul avait pris en otage pour sa journée et sa soirée de mariage. Dans l'une des suites VIP de l'hôtel, se trouvait Isabelle. Elle se faisait encore plus belle par une make-upeuse professionnelle. Et de l'autre côté de la pièce, une autre suite VIP où Raoul s'y trouvait. Habillé d'un très beau costume de couleur blanche, affinant son papillon noir devant le grand miroir. Il était dans la grande chambre avec son partenaire et meilleur ami Xavier. Alors, on dit quoi? Tu es prêt pour ton mariage? Cette fille est incroyable, Xavier. Je te l'assure. Malgré le fait que je lui ai dit qu'on ne pourra pas consommer notre mariage à cause de ce que tu sais, elle a accepté de m'épouser. Je suis stupéfait. Elle est fabuleuse. Sûrement qu'elle est aveuglée comme toutes ses filles par la richesse. Non, Xavier. Isabelle est différente des autres filles. De ma femme, tu veux dire? Je sais que cette pétasse m'a épousée juste pour ma fortune, mais ce n'est pas grave, car avec elle, je n'ai pas des maux de tête. Et elle ne se doute de rien? Non, nous avons déjà fait 3 ans de vie commune ensemble, et elle n'est pas si futée pour se rendre compte de quoi que ce soit. Elle est plongée dans le luxe et puis voilà, j'ai quand même sorti sa famille de l'obscurantisme de la pauvreté. Alors, je suis comme un roi pour ma belle famille. Et d'ailleurs, comment va-t-elle? Pourquoi tu n'es pas venu avec elle? Au fait, elle est presque à terme, et elle a préféré rester en Suisse. Waouh! Ton deuxième héritier va bientôt naître. Je n'aurai pas ce privilège-là, malheureusement, ou heureusement. Mais tu es malade, toi. Parfois, je me dis que j'aurais dû simplement accepter ta condition. Car la mienne, c'est de la merde. Mais avec le temps, c'est plutôt gérable. Et comment va le boss Séraphin? J'ai appris qu'il était sous assistance respiratoire. Oui, le boss est en voie de retrouver ses ancêtres. Mais hier, j'ai discuté avec son bras droit, et il paraît que son fils a finalement accepté d'être des nôtres. Et il sera initié d'ici peu. Enfin. Mais il voulait nous faire quoi comme ça? L'association allait aller en vrille, frère. Vraiment. Mais pourquoi il ne voulait pas succéder son père? Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Il a goûté à la pauvreté et a compris qu'il fallait s'allier. Vraiment les jeunes d'aujourd'hui, qui leur a dit que l'on peut devenir riche sans plonger. C'est pourquoi il fallait que je me marie rapidement, car les bouches parlaient déjà beaucoup. Du genre à 29 ans, j'ai pris toute cette fortune où ? Tu as bien fait, frère. Surtout que c'est bien d'épouser une femme aveuglée par l'argent. Car lorsque tu me dis que ta femme là n'est pas derrière toi pour de l'argent, ça craint là. Ne t'inquiète pas, frère. Elle ne se doutera jamais de rien. Surtout qu'à la maison, tout est sous contrôle. Nul ne peut se douter de la présence des portes incrustées dans le mur, et au sous-sol au salon. Sois juste vigilant s'il te plaît. En passant, dans une semaine on aura une réunion très importante avec le fils de Séraphin, qui occupera officiellement le siège magique de son père. Ça se passera en Italie. Ah d'accord. Alors dans ce cas, ça sera le tout premier voyage de ma femme. Elle va adorer la nouvelle. Il était 12h, quand la mariée fit son entrée merveilleuse dans sa robe de princesse à l'église de la place. Tout le monde était heureux de voir la belle mariée scintiller de mille couleurs. Le mariage se passa dans une ambiance de joie. Et, le « oui je le veux », vint mettre un goût unique et agréable à la cérémonie. Tout se passa très bien. Et les mariés s'embrassèrent langoureusement à la fin de la cérémonie. 3 jours après le grand mariage, qui a animé toute la ville, et certains médias traditionnels et modernes, le couple Otano filait le parfait amour dans un hôtel de luxe 5 étoiles. Couché dans le magnifique lit décoré de fleurs, Isabelle avait le sourire aux lèvres. Son mari vint lui servir le petit déjeuner au lit. Tu vas me tuer avec le romantisme, bébé. Je voyais ce genre de choses que dans les séries de Novlas TV. Tu es ma perle rare, mon amour. Je serai éternellement à ta merci, bébé. C'est comme si je rêvais, Raoul. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus, mon bébé. Dis-moi, tu as un passeport ? Je vais faire quoi avec ça, Raoul ? Depuis que je suis né, au village, c'est quand ma mère est décédée que je suis venue en ville. Tu es une vraie comédienne, toi. Mais devine quoi ? Je suis nulle en devinette, chérie. Dis-moi s'il te plaît. Ok. Nous irons en Italie dans 2 semaines. Et c'est là qu'on fera notre lune de miel, mon cœur. Quoi ? Dis-moi que tu rigoles là. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui rigole ? Mais je n'ai pas de passeport, chérie. Ne t'en fais pas pour ton passeport. D'ici demain, tu l'auras. J'ai juste besoin de ta carte d'identité. Je n'en ai pas. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai le récépissé, mais ma carte n'est jamais sortie. Ok, c'est pas grave. Je vais prendre tout ça en main. Maintenant que je suis là, tu n'auras plus de soucis. L'aéroport d'Abidjan était boudé de personnes. Celles qui allaient prendre un vol pour une destination précise et celles qui jouaient un rôle d'accompagnateur. Parmi les passagers du vol 0211, destination Istanbul, où la première escale sera faite, se trouvait le couple nouvellement uni. Isabelle et Raoul Tano. Natacha et leur papa étaient aussi là, pour un au revoir radieux à leur sœur et fille. Tu as vraiment rencontré un homme de valeur. Tu as de la chance, ma sœur d'amour. Tu as pêché le gros poisson. Ah, tu es vraiment folle, toi. Je te promets que tu auras une vie plus paisible et belle que la mienne. En tout cas, c'est ma prière pour toi. Amen. Tu as dit que tu seras de retour dans 3 mois, c'est ça? Oui, Natacha. Et crois-moi, je vais en profiter à fond. Oulala, la lune de miel de la gloire glorieuse. J'imagine seulement le bonheur de ça. En plus, dans tout ce luxe-là. Tu le mérites, Isabelle. Profite vraiment à fond. Car dès ton retour, j'aimerais te voir avec un ventre allongé. Mais pourquoi fais-tu cette tête, Isabelle ? Ne me dis pas que ton mari et toi n'avez pas encore pensé à avoir des gosses. Mais où est passé papa ? Il est avec ton mari au guichet. Allez, voilà même qui arrive. Il est l'heure de l'embarquement, Isabelle. Nous devons partir maintenant. Ma fille,
Que Dieu vous accompagne et veille sur vous. Toutes mes prières t'accompagnent. Merci, papa. Ma sœur, n'oublie pas de m'envoyer des cadeaux d'Italie. Et surtout, bonne lune de miel à vous. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ok, petite sœur. Vous allez vraiment me manquer. Au revoir. Au revoir, Isabelle. Faites bon voyage. Au revoir, ma fille. Que Dieu vous assiste. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? J'ai peur, Raoul. Je ne suis jamais montée à bord d'un avion auparavant. T'inquiète, mon amour. Rien ne t'arrivera. Je suis là. Samedi 10h, c'est une nouvelle journée qui scintille sur le ciel de l'Italie. Un pays de l'Europe de sud-ouest. Leurs bagages furent dirigés dans un hôtel 5 étoiles. Le luxe était omniscient et omniprésent. Isabelle était obnubilée par la beauté des lieux. L'on leur installa dans une suite présidentielle, et à l'instant, Isabelle ouvrit grand les yeux. Waouh, mes chéris, ça doit être très cher. On peut prendre un petit studio moins coûteux que tout ceci. Ça ne me dérange pas. Ne t'en fais pas, mon bébé, ça ne me dérange pas de te faire découvrir tout ce luxe. C'est vrai que c'est coûteux, mais c'est pour notre confort. Tu aimes ? J'adore. Waouh, je ne suis pas habituée à ce genre de vie. C'est pourquoi je trouve que tu en fais trop. On ne vit qu'une seule fois dans la vie, bébé. Alors, il faut aérer ton cerveau. Et au lieu de penser à tout l'argent que je dépense pour te faire plaisir, profite juste à fond, mon amour. D'accord, mon amour. Tu vas t'habituer, t'inquiète, c'est rien. Bon bébé, je vais me coucher. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu n'as pas sommeil? Demain sera un autre jour, et je te ferai visiter un lieu magique au cœur de Rome. Alors, tu as besoin de dormir pour mieux récupérer pour demain. Mais tu as quoi au juste, mon amour? Tu sais que je n'aime pas te voir triste. Dis-moi, que veux-tu? Un virement bancaire? Raoul, je suis juste inquiète de la façon avec laquelle on passe notre lune de miel. C'est vrai que tu es un homme génial, mais est-ce qu'on va passer tout notre temps à faire des sorties luxueuses et sans tabler sur ton cas? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je voulais te faire la surprise, car j'ai pris un rendez-vous pour le mois prochain en France, avec un médecin pour mon problème. Ah bon? Oui. Tout ce que je te demande, c'est la patience et surtout la discrétion, s'il te plaît. Toi-même, tu l'as dit. Ensemble, on est plus forts, et on trouvera une solution. Je meurs d'envie de te faire l'amour. Mais malheureusement, pour le moment, je ne peux pas. Je sais que tu en as envie, toi aussi. Bébé, je suis ta moitié. Et je te promets qu'ensemble, on va surmonter ce problème. Tu sais que je t'aime. Alors, je serai avec toi dans ce combat. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Les mois s'écroulaient rapidement. C'était le deuxième mois que le couple passait en Italie. Et Raoul n'était presque pas à la maison. Il sortait beaucoup et rentrait tard. Et pour ne pas rester dans le stress total, Isabelle faisait du shopping en longueur de journée, ou alors passait ses journées dans la grande piscine de l'hôtel. Ce soir-là, sous le ciel de l'Italie, la réunion importante d'initiation, à laquelle devaient assister Raoul et son ami Xavier, venait de finir. Comment tu as trouvé l'assise de tout à l'heure? Fade. Le nouveau patron semble être plus difficile que son père, paix à son âme. C'est vrai, mais je le trouve quand même très déterminé et engagé. J'espère bien qu'il ne nous fera pas encore faire plus de choses que son père. Car vu son allure, ça craint. Croisons les doigts, frère. Mais il semble quand même engagé, dans la continuité de l'héritage de son père.
Il a longtemps refusé d'entrer dans le cercle, mais le goût amer de la pauvreté l'a chassé vite fait. Mon gars, allons à la cave centrale de Rome prendre une coupe de champagne mousseux avant de rentrer. Ok, allons-y mon pote. Oh, mon téléphone sonne. Salut ma sœur, j'espère que je ne vous dérange pas. Tu es où comme ça ? Je reviens juste de la piscine. Je suis en chambre actuellement. Tu es avec mon beau ton mari ? Non ma sœur. Il est très occupé, tu sais ? Les affaires, et tout. Je vois, les choses de riche. Pardon, présente-moi un peu le lieu, pour que je rince un peu mes yeux. Non Natacha. Je sais que tu ne m'appelles jamais pour rien. Dis-moi d'abord ce qu'il y a, afin de ne pas oublier. Et ensuite, je vais te montrer tout en vidéo. Tu seras étonnée par le luxe qu'il y a ici. Tu me connais trop, toi. Bon, voilà, écarte bien tes oreilles, ma sœur. Ton ex a quitté le pays. Quel ex ? Qui ça ? Paten, bien sûr. Peut-être qu'il est allé au Sénégal ou au Burkina Faso se chercher. Il aime beaucoup ces deux pays. Tu me parles de quoi ? Il est parti en Europe. Quoi ? Tu es sérieuse là ? Je suis sérieuse, Isabelle. J'étais la première à être étonnée. Je ne sais pas dans quel pays de l'Europe il est parti exactement, mais, aux dernières nouvelles, il a quitté le pays pour l'Occident. Mais c'est quand même bizarre ça. Cela ne fait même pas 2 mois et demi que je suis en Italie. Mais comment est-ce que Paten a fait pour partir ? Où est-ce qu'il a pris l'argent ? Sûrement il aurait emprunté, Isabelle. Tu sais, votre séparation a provoqué en lui la rage totale. Il a peut-être compris que l'homme avec petit h doit se battre dans la vie. En tout cas, je réfléchis même trop sur son cas, pourquoi ? Bon vent à lui. Si j'ai participé à son évolution en le quittant, c'est bien, et c'est jouissif. Qu'il vole de ses propres ailes. Eh oui, ainsi va la vie, et surtout ne regrette rien. Tu as fait le bon choix, et rien ne nous garantit que si tu restais avec lui, il allait devenir indépendant. Car 3 ans de relation avec un homme, c'est toi qui le faisais vivre, et dans tout ça, il te trompait. Je t'assure. Bon, fermons ce sujet-là. Je n'aimerais vraiment pas que mon passé puisse empiéter mon présent, et ni mon futur. Ok, maintenant, montre-moi le luxe dans lequel tu es plongé. Ok, à vos ordres, patronne.